Salut les potes, dans cette vidéo je vais vous faire un petit comparatif de deux pelles que j'utilise, que vous voyez tout le temps dans mes vidéos alternativement. C'est la pelle Blackada Spartan et la pelle Blackada Gladius. Et là, ce qu'on peut voir déjà, ce qui frappe, c'est qu'il y a 10 cm de différence entre les deux, donc ça peut être très intéressant pour les gens qui sont grands. Mais concrètement, ce sont les mêmes pelles. Regardez, c'est exactement la même chose en bas. Et ce qui diffère, eh bien, c'est que celle-ci, elle est chromée pour la classe. Celle-ci, elle est rouge, mais parce que c'est une édition spéciale The Searcher, le magazine anglais, voilà, si vous connaissez pas. Mais la principale caractéristique, eh bien, ce sont les poignées qui diffèrent. Outre que cette pelle soit 10 cm plus grande, elle fait 94 cm contre 84 cm pour celle-ci, on a deux types de poignées différents. On a ici une poignée plastique un peu ergonomique, très confortable d'ailleurs, et je vous avoue qu'en hiver, je préfère celle-ci, hein, je préfère la pelle en plastique parce qu'elle ne me déchire pas les mains, et puis je peux l'utiliser plus facilement à une main. Et puis celle-ci, eh ben, elle a une poignée en T qui est très solide, et j'aime beaucoup aussi, ben, tout simplement, je peux l'utiliser aussi à une main, mais j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment un très bon levier, là je sais que c'est extrêmement solide. Donc évidemment, la Gladius serait plus solide que la Spartan. Cela dit, c'est juste arrivé, les gars. Vous pouvez changer la poignée. Mais bon, je l'ai toujours pas pété. Pourtant, ici, vous savez que c'est dans la caillasse. On peut voir d'ailleurs que le bout, hein, il a déjà été plié plusieurs fois et je le replie à chaque fois. Ensuite, ce qui est bien sur ces pelles chez Blackada, c'est la solidité. C'est vraiment, vraiment fait pour être solide. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Celle-ci, elle est en inox. Ah oui, quand même une grosse différence. Celle-ci, elle est en inox. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Blackada, c'est la solidité. Hein, vous pouvez regarder le détail des soudures. C'est du gros, c'est du lourd. Bah, franchement, je dis pas, à force de taper dessus, je l'ai un petit peu plié, mais ça se replie. Mais hé, ça fait 2 ans que je l'utilise de manière intensive. Ici, dans la caillasse, dans les sols très difficiles, je suis plutôt content. Ah, c'est pas mal, un bon rapport qualité-prix. Bah, celle-ci, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai pas réussi à la plier encore. Mais c'est parce que je l'utilise moins souvent. Celle-ci, c'est vraiment ma pelle fétiche. Mais c'est pas très grave, je vais la mettre dans l'étau et je vais la détordre et ce sera bien. En tout cas, ce que j'ai pas réussi à tordre, c'est le manche. Je sais que certains ont réussi à plier le manche, mais les gars, c'est pas parce que c'est une Blackada que vous pouvez soulever des pierres de 100 kg. Hein. Il n'y a pas de grande différence fondamentale entre ces deux pelles, à part 10 cm de plus et la poignée qui est différente. Donc, je ne sais pas quoi vous dire pour le choix. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les deux. Elles sont complémentaires et je les utilise pas au même endroit et ça dépend. Celle-ci me casse moins le dos. Celle-ci, il faut que je me plie. Pour un plus grand, ça, ce sera mieux. En hiver, ça, c'est mieux. Les gars, achetez celle qui est dans votre budget et qui vous plaît. Je peux pas vous dire mieux que ça. En tout cas, c'est deux excellentes pelles. Bon, ces pelles, évidemment, bah, je vais en profiter, je suis pas obligé de le faire, mais je vais le faire quand même. Vous les trouvez à la maison de la détection. Et pourquoi je vous envoie à la maison de la détection? Eh ben, parce que c'est les copains. C'est forcément, je vous envoie chez les copains, parce qu'ils sont bien, les copains. Donc forcément, je vous dis d'aller acheter chez les copains. Bah ouais, donc acheter chez les copains, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, comme c'est des copains, bah, forcément, je vous envoie chez les copains. Allez, les potes, c'est là-dessus que je vous quitte. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous lâchez un pouce bleu, vous lâchez un commentaire, vous n'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis vous nous rejoignez sur les groupes, sur Facebook, sur Instagram, blablabli, blablabla, cherchez Tous à Poil, il y a un site aussi, toutsapoil.fr, rejoignez-nous, les potes, ciao, à bientôt.